jouer aux Indiens et aux cowboys quand j'étais petit. Ouais, je suppose qu'il y en a qui faisaient ça aussi. Et vous voulez tous être les cowboys? Parce qu'ils ont des flingues. Et que les Indiens, ils ont juste des plumes dans le cul, c'est nul. Et c'est scandaleux comme jeu. Mais c'est un scandale de ouf de nous laisser jouer à ça, tu vois. De nous laisser déguiser en cowboys et en Indiens. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des blancs qui ont massacré les Indiens de ouf, tu vois. Mais c'était il y a un peu longtemps, donc on s'en fout, tu vois. Donc à ce rythme-là, mes petits-enfants, ils joueront aux juifs et aux nazis, tranquille. Tranquille. Ça, mais dans cette logique-là, ouais, tu vois. Puis ils voudront être du côté des plus forts. Ah non, c'est à ton tour de faire le juif, hein, j'en ai marre. Allez, passe-moi la moustache. Malade. Ouais, alors, je suis désolé s'il y en a qui sont pas à l'aise avec ce sujet. Moi, la Seconde Guerre mondiale me fascine, tu vois. Je dis, comment ça a été possible, tu vois, c'est un truc de ouf. Puis je pense aussi, tu sais, genre, en Allemagne, juste après la guerre, tu vois, il devait y avoir une petite ambiance. Tu sais, genre, tu vas déposer ton CV à l'agence d'intérim. Oui, bonjour, oui, oui, très très bon CV, beaucoup d'expérience professionnelle. Par contre, je vois, il y a une petite trou pour la période 1939-1945. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que je mets? Arso, d'accord, pas tant, je comprends. Je vais mettre Erasmus Barcelone. La fida loca. Laisse tomber, mon gars. Ah, ça devait être un délire. Non, moi, ça a marqué, parce que moi, mon grand-père, tu sais, il a fait la guerre, il était résistant. Hein, bon, il a commencé à résister fin 45, bon, ça compte quand même. Ça compte, pas d'embrouille.